Je comprends rien. Je te l'avais dit, tu n'avais pas le volet, on comprend rien. On aurait dû le demander à toi. Oui, le demander. Oui. Qu'est-ce que tu crois qu'on fasse de bord? Je vais juste le rappeler, si on te sait. Ben oui, c'est une bonne idée. Le rappeler, mais là, on vient de voler leur logement. Ben, non, oui, tu le vois, je trouve que c'est une bonne idée, mais je te l'appelle, toi. Oui, je me demandais, est-ce que ce serait possible de vous rencontrer bientôt pour parler de votre métier? Oui, vendredi. Oui, puis en passant, c'est nous qui avons le document. Bye bye! Bonjour, M. Godjean et Marie-Odile. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est très gentil à vous. Et surtout à cause de ceci, on pense que c'est à vous. Merci. Voulez-vous vous asseoir? On va. Merci. Pascal, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est la neurobiologie? La neurobiologie, c'est une étude de la biologie qui a un lien particulier avec le système nerveux. Donc, le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, tout ce qui sert à transmettre l'information dans le cerveau. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi consiste le travail de neurobiologie? C'est vague le travail de neurobiologie. Moi, j'ai un projet à amener, je fais la recherche sur ce projet-là, c'est-à-dire que je fais de A à Z, sauf les parties que c'est commun dans tout le lab, où est-ce que, par exemple, c'est comme l'ADN, c'est l'ARN, c'est pas mal fait. Mais après ça, c'est moi qui vais chercher les uns pour ma recherche, c'est moi qui vais les injecter, c'est moi qui vais enregistrer, qui va préparer les solutions pour les enregistrements. On mène le projet de A à Z. Quelles sont les études nécessaires pour accéder à ce milieu de travail? Habituellement, pour aller en neurobiologie, ça prend un bac en biologie ou en microbiologie, ou je pense en biochimie. Okay. Mais c'est possible avec génie informatique, génie physique, tant qu'on a besoin de ces compétences-là dans un projet. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour performer dans votre milieu de travail? Ben, ce que ça prend vraiment pour être un bon scientifique, c'est de la ténacité. On est tout le temps les premiers à faire quelque chose, donc évidemment, ça ne marche jamais du premier coup. Il y a des gens qui vont passer toute leur maîtrise pendant 2 ans de temps à échouer jusqu'à temps qu'ils réussissent. Après ça, ils sont bons pour publier. Il y a des gens qui font la même chose pour leur doc. Puis des fois, il y a des projets sur lesquels le résultat final, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce milieu de travail? Ben, c'est une drôle d'histoire parce qu'à la base, je voulais faire ma maîtrise en physique. Donc, en fait, en physique expérimentale. Donc, quand j'étais en troisième année de bac, je me suis trouvé un stage dans un laboratoire pour trouver ce que je voulais faire. Puis, le but, c'était de faire une maîtrise-là. Sauf que les fonds pour la recherche, pour cette recherche-là étaient alloués, mais ils ne sont jamais arrivés jusqu'à l'université le temps que je finisse mon bac. Et en même temps, il y a une amie qui s'est rendue compte que le lab d'à côté, qui fait de la biologie, cherchait un physicien pour avoir une autre approche du sujet pour compléter leur modèle ou leur manière de concevoir les expériences ou la manière d'interpréter les résultats. Donc, par un coup de téléphone, je me suis retrouvé à changer complètement de la physique expérimentale à la biologie parce que, par peu rapport. Et toi, actuellement, c'est sur quoi tu travailles ici au labo? Moi, présentement, je travaille sur une mutation d'un canal secret qui permet, dans le fond, ça permet à la cellule d'échanger le sodium avec son environnement. C'est ce qui permettrait, entre autres, de transmettre des signaux électriques d'un neurone à l'autre ou, par exemple, d'un neurone vers le muscle pour lui dire d'agir. C'est quoi un canal sodium? Un canal sodium, c'est une protéine qui est dans la membrane de la cellule. Okay. Ça permet à la cellule de faire rentrer le sodium. Décrivez-nous une journée typique dans votre milieu de travail. Il n'y a pas vraiment de journée typique. Donc, comme on travaille avec du matériel biologique, c'est du matériel qui va périr dans le temps. Donc, le lundi, le mardi, je prends le matériel que j'ai puis je m'envoie le pousser le plus possible pour aller chercher toutes les données que je peux aller chercher. Le mercredi, si mon matériel est encore bon, je continue. Sinon, je fais mon analyse de données. Le jeudi, je m'en vais chercher mon matériel, je m'en vais faire mes chirurgies, je m'en vais faire mes solutions. Puis le vendredi, je fais mes dernières étapes pour préparer mon matériel. Je fais mes injections d'ARN. Je prépare mes électrodes qui sont plus particulières, qui demandent plus de tension. Je m'assure que toutes mes solutions soient prêtes. Puis quel est le rôle au sein de l'entreprise de Robert Schwartz? Moi, je travaille pour mon professeur. J'ai un projet à titrer.
puis je mène la recherche sur ce projet-là. Quels sont vos plans pour les prochaines années quant à votre travail? Moi, j'espère faire mes cours de maîtrise rapidement pour pouvoir me concentrer pleinement sur mon projet. Après ça, une fois que mon projet va être terminé, ben, je vais graduer, je vais avoir une maîtrise. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, si j'ai encore la passion pour la recherche, je vais aller au doctorat. Si ça s'arrête là, ben, je vais me trouver un travail comme ingénieur. Quelles sont les applications de la neurologie? Nous autres, on fait de la recherche très, très fondamentale. On cherche à comprendre et à améliorer les modèles théoriques qui existent déjà. De notre côté, il y a les gens qui font la recherche clinique qui prennent ce qu'on a fait comme recherche fondamentale puis qui l'amènent en clinique, qui trouvent des nouvelles avenues pour des traitements ou des nouvelles manières où ils vont expliquer des maladies avec les nouveaux modèles qu'on a développés. Ça, pour nous autres, c'est l'impact qu'on a, mais on fait vraiment du fondamental. Comme ça, on a visité le laboratoire. Ah, oui, s'il te plaît. La salle où on met la coque liquide, c'est dans le congélateur à moins 80 ici qu'on garde notre ARN. Ici, c'est pour des cellules qui sont plus humaines. On travaille avec tout un équipement. Je pense que c'est le centre de la pièce de tout ce que je vous dis. Ça, tous nos appareils sont sur des tables pneumatiques pour empêcher les vibrations, parce que ça a assez d'impact pour ces comportements de données. On mesure des picoampères avec ces appareils-là. Ici, c'est notre montage le plus précis pour les œufs de grenouille. Parce que moi, je travaille principalement sur ces œufs-là. C'est des grosses cellules, puis la membrane est suffisamment grosse pour qu'on puisse y planter nos électrodes plutôt que juste d'aspirer des morceaux de membrane. Donc on peut travailler avec beaucoup plus de courant, là on peut travailler avec des nanoampères. Ça c'est mon montage. Avec mes solutions que je prépare tout le temps un peu d'avance, les électrodes, on utilise des électrodes qui font une bonne grosseur, c'est pour ça qu'on a besoin d'œufs de grenouille. Ça, là, avant de leur faire passer leur traitement, et on peut faire ce grosseur-là. Là, il y a un filament en dessous qu'on fait chauffer jusqu'à temps que, pendant qu'on étire le verre, jusqu'à temps qu'on ait atteint la grosseur d'aiguille qu'on veut. C'est l'art de préparation. C'est là qu'on prépare nos solutions, c'est là qu'on prépare nos bactéries. On a même des œufs de grenouille déjà en culture ici. Avec des champignons, malheureusement. Merci!